conférence s'intitule Habitudes numériques liées à la consommation de substances psychoactives en contexte de COVID-19. Ce sont également des résultats préliminaires. La présentation, la conférence va être faite par Christophe Wynne, qui est chercheur d'établissement à l'Institut universitaire sur les dépendances et professeur associé au département de psychiatrie et d'addictologie à l'école de psychoéducation, et par Alexis Beaulieu-Thibaudeau, agent de planification, programmation et recherche à l'IUD. Alors, Christophe et Alexis, la parole est à vous. Donc, merci à tous d'être ici. On est une centaine à écouter avant l'heure du lunch, plein de données qu'on va vous présenter qui sont des résultats préliminaires sur un sondage que nous avons mené durant la seconde vague de la pandémie sur comment que les habitudes numériques, comment que les gens ont adapté en fait leur consommation et tout ce qui est comportement lié à leur consommation en lien avec le virage numérique et en contexte de COVID-19. Donc, juste pour vous avertir à l'avance, donc, ce sont des résultats préliminaires. Donc, nous sommes encore en train de regarder les données. Nous présentons surtout des données descriptives. Donc, nous n'avons pas encore mené des analyses complètes. Donc, ceci permet juste de voir un portrait général de ce qui se passe dans notre collecte actuellement. Mais il est possible que les chiffres vont changer en cours de route plus qu'on avance dans le recrutement. Donc, le contexte de l'étude. Donc, avant la pandémie, il y avait beaucoup de contextes sociaux qui entouraient la consommation. Donc, que ce soit l'alcool, le cannabis ou d'autres substances, c'était souvent des activités qui se faisaient entre amis, entre des gens qu'on connaissait. Donc, qui avait quand même une certaine intimité entre les personnes. Donc, on a autant, par exemple, lors d'un camping, sur une terrasse, dans des raves, dans des concerts. Chez des gens, dans des parties à la maison, dans les saunas, dans les microbrasseries. Donc là, les images portent beaucoup sur l'alcool, mais aussi, il faut savoir que pour plusieurs substances, il y a aussi un contexte social qui entoure la consommation en tant que telle. Donc ça, c'était avant la pandémie. Même chose pour se procurer des substances. Donc effectivement, il y a l'achat par le fameux dealer, mais il y a aussi le fait que souvent les substances pouvaient être partagées dans des contextes tout à fait informels. Donc, si vous vous rappelez du film « Des invasions barbares », donc Rémi Girard est en train de passer le joint à Louis Portal, je pense. Et donc, ce sont des contextes qu'il y a encore d'autres êtres humains qui partagent et qui sont à proximité, comme vous pouvez voir. Et évidemment aussi, pour la plupart des services qu'on offrait pour les gens qui avaient besoin d'aide, c'était aussi en présentiel, donc autant les groupes de thérapie, les alcooliques anonymes, par exemple, ou les traitements qui se font plus en individuel, et aussi pour se procurer du matériel sécuritaire aussi, ça se faisait aussi dans un contexte en personne où on se déplaçait et on allait sur place. Donc, comme vous le savez tous, donc, il y a eu cette fameuse pandémie qui a commencé donc, autour de la mi-mars et avec les premières restrictions. Donc, ça, c'était l'une des premières affiches en haut. Et déjà, donc, on a fermé les bars, les discothèques, les théâtres, les gyms. On a demandé de rester à 2 mètres de distance. Et donc, toutes ces mesures-là, en fait, nous ont mené à se poser la question de qu'est-ce qui est arrivé de ces contextes liés à la consommation qui avait une forte composante sociale où la proximité n'est plus de mise et que les rassemblements sont interdits, que certains lieux qui étaient propices à la consommation, par exemple les bars et les discothèques, sont maintenant fermés. Qu'est-ce qui se passe par rapport à tout ça? Et est-ce que les gens ont déplacé, comme pour plusieurs sphères de leur vie, est-ce qu'ils ont déplacé le tout dans le monde numérique, via Internet, par les écrans? Donc, par exemple, pour le travail, nous sommes tous allés en télétravail, on est rendus tous des abonnés de Netflix et compagnie. Donc, la question dont on se posait, c'était qu'est-ce qui s'est passé pendant la pandémie? Comment que les gens ont adapté plus en lien avec leur consommation, en lien avec le numérique? Donc, je vais laisser la parole à Alexis. Donc, je vais vous parler rapidement de la méthodologie de recherche et aussi rapidement aussi des données sociodémographiques de notre échantillon.
Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est une annonce qui a été utilisée. On a utilisé les réseaux sociaux pour faire le recrutement de nos participants. Donc, les annonces, c'était les annonces payantes, là, principalement sur Facebook, puis un peu sur Instagram et Twitter aussi. Cette annonce-là, elle a vraiment bien fonctionné. On comprend que les critères là, pour participer à l'étude, c'était d'avoir 18 ans et plus, de résider au Québec et d'avoir consommé des drogues, y compris de l'alcool, dans les 30 jours avant le début de la pandémie. Le sondage a été créé sur Lime Survey. Les gens aussi répondaient aux questions sur le site Lime Survey. Ça, c'est la page que les participants voyaient après avoir cliqué sur le lien des annonces payantes. Ils avaient le choix de participer en anglais ou en français. Il y avait aussi toutes les informations pertinentes là, de l'étude. Il y en avait plus un petit peu en bas. Là, l'image continuait. Puis, quand les gens passaient à l'étape suivante, c'était le formulaire de consentement. Si les gens s'y donnaient leur consentement, ben ils persévéraient. Sinon, ils étaient remerciés pour leur temps. Puis, c'est pareil pour les individus qui ne respectaient pas les critères là, d'inclusion. Lorsqu'ils avaient répondu, lorsqu'ils avaient consenti, il y avait plusieurs questionnaires. Plusieurs sont des questionnaires standardisés, comme l'assist, comme le débat Internet produit justement par l'équipe du risque. Mais on avait aussi des questionnaires maison qu'on a dû faire pour s'adapter à la COVID, étant donné qu'il n'y avait pas vraiment de précédent. On a dû inventer tout plein de questions alors qu'on vivait nous-mêmes la pandémie. Je n'ai jamais autant changé la formulation de questions par rapport à ce que Legault et Arruda disaient. Honnêtement, là, c'était toute une aventure. On captait à la fois leur comportement lié à la COVID en tant que tel, mais aussi plusieurs questionnaires liés à la consommation et la consommation problématique aussi. Aussi, comment ils se sentaient, comment ils vivaient leur passage à l'écran, qu'est-ce qu'ils faisaient sur Internet, et aussi, par exemple, le Digital Native Assessment qu'on ne va pas vous présenter aujourd'hui, mais était un indicateur de à quel point ils se sentaient à l'aise avec le numérique en tant que tel. On a aussi utilisé l'indice de traces psychologiques de Boyer, l'échelle de provision sociale de Caron, pour savoir un peu comment ils se sentaient au-delà de la consommation et des écrans. Et nous avons aussi adapté un questionnaire qui a été passé lors de l'enquête de santé sur les collectivités canadiennes, le volet santé mentale en 2012. Donc, tout ça faisait en sorte que le questionnaire pouvait prendre entre 30 à 45 minutes si les gens prenaient le temps de bien lire les questions. C'était beaucoup de choses que nous avons explorées. Donc, c'est pour ça qu'on va un peu vous noyer de chiffres aujourd'hui, mais en même temps, ça nous a permis d'avoir quand même un beau portrait de ce qui s'est passé au cours de la dernière année. Donc, on va uniquement pour aujourd'hui, on va vous présenter les données qui couvrent une période de 6 mois, donc du 27 octobre 2020 au 24 avril 2021. Donc, pendant cette courte période-là, donc vous voyez, c'est durant la deuxième vague et un peu durant la troisième vague de la pandémie. Donc, autour de 1284 personnes qui ont ouvert la page du Lime Survey, du sondage. 972 ont consenti et nous allons vous présenter les données sur environ 737 personnes dont les données sont valides. Donc, Alexis va vous expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par données valides. C'est ça. Donc, j'ai oublié de mentionner là, qu'il y avait une compensation financière de 10 $ pour les individus qui complétaient le questionnaire. Donc, pour peut-être certaines personnes qui auraient été tentées de frauder là, ou simplement des gens peut-être trop inattentifs, là, on avait des critères. Donc, vraiment rapidement, là, pour retirer peut-être ces participants-là là, qui viendraient peut-être un petit peu biaiser les données, on avait des questions qui revenaient à deux reprises dans le questionnaire, comme par exemple l'âge. On leur demandait leur groupe d'âge. Plus tard, on leur demandait leur âge exact. Il y avait aussi la région. On demandait les trois premiers caractères du code postal. Puis plus tard, carrément leur région administrative. Donc, on voyait si ça correspondait. Puis, il y avait aussi des informations qui nous donnaient sur leur consommation. Donc, on voyait si ça correspondait bien. Donc, ça revenait à deux reprises, les informations sur la consommation. Il y avait plusieurs questionnaires qui en parlaient. Donc, on regardait un petit peu si ça correspondait. Puis, les personnes qui étaient incohérentes sur deux variables ou plus étaient alors éliminées. Il y avait aussi le temps de passation irréaliste. Donc, c'est un questionnaire qui prenait peut-être 30 à 35 minutes à répondre en moyenne. Les individus qui répondaient en dedans de 5 minutes, on a vraiment évalué que c'était physiquement et psychologiquement impossible de répondre à un questionnaire en dedans de 5 minutes. Donc, ils ont été éliminés d'emblée. Puis pour ceux qui ont
répondu en moins de 10 minutes. On a regardé aussi leurs questions pour s'assurer qu'il y avait une cohérence quand même, là. Puis finalement, on avait aussi carrément des questions de vérification pour mettre toutes les choses de notre côté, là. Donc, ces questions-là consistaient simplement à demander aux participants de répondre une réponse spécifique. Donc, on leur demandait prière de répondre un à cette question. Puis, il y avait trois choix de réponse, un, deux et trois. Puis, plus tard dans le questionnaire, on leur demandait de répondre deux au même choix de réponse. Donc, quand les gens répondaient deux et qu'on leur demandait de répondre un, bien, c'était un indice que peut-être qu'ils faisaient ça vraiment rapidement avec trop peu d'inattention. Donc, les analyses qu'on va vous présenter sont vraiment juste, disons, univariées. On va faire des analyses aussi bivariées, là, puis éventuellement des modèles aussi multivariés là, à l'avenir qui vont faire l'objet d'articles. Et là, je vais passer aux sociodémos. Encore une fois, là, rapidement, là, on voit que ça, c'est les données là, de notre échantillon. Donc, sur l'âge, on a, nous aussi, puisque ça a été recruté sur les réseaux sociaux, sur Facebook principalement, nous aussi, on a une surreprésentation d'individus peut-être plutôt jeunes, de 18 à 49 ans, puis une sous-représentation des individus de 65 ans et plus. On en a seulement 4% de notre échantillon. Donc, il y a un petit biais à prendre en considération ici. Pour l'identification de genre, ça semble quand même bien correspondre à la population en général avec légèrement plus de femmes que d'hommes, puis 3% d'individus qui ont dit que leur identification de genre était non-binaire. Pour le niveau de scolarité, nous aussi, quand je dis nous aussi, je fais allusion à la présentation de Sylvie là, et Annie-Claude. Là, on avait une majorité d'individus qui avaient un diplôme universitaire. Puis, par rapport aux revenus, on avait aussi une majorité d'individus qui faisaient 30 000 $ individuellement et plus. Il y a la famille, donc les gens vivaient principalement là, en famille. On avait quand même beaucoup d'individus là, qu'on peut voir ici là, qui rapportent vivre seul. Donc, moi, ça m'a interpellé quand même. Là, 27% de notre échantillon rapporte vivre seul. Donc, une statistique de Statistique Québec de 2016 qui rapporte que 17% des individus âgés de 15 ans et plus vivaient seuls en 2016, puis que c'était une proportion qui avait doublé en 35 ans. Donc, si c'est une tendance qui se maintient, ça pourrait expliquer ce chiffre-là. Puis finalement, pour les caractéristiques sociodémographiques, on voit qu'on a une légère surreprésentation d'individus qui habitent à Montréal, mais de façon générale, là, toute proportion gardée, ça respecte bien les statistiques des régions administratives du Québec, là. L'un des critères d'inclusion, c'était donc d'avoir consommé durant les 30 jours avant la pandémie. Donc, les chiffres ne nous surprennent pas trop, suivent un peu la tendance des enquêtes épidémiologiques populationnelles au Canada et au Québec, si ce n'est qu'il y a une proportion beaucoup plus élevée de cannabis qui tourne généralement autour du 16 à 20% généralement. Mais là, on voit actuellement que nous avons quand même, pour les autres substances, une proportion qui... ce qu'on retrouve généralement dans la population générale avec aussi un taux très élevé d'alcool, mais ceci ne nous surprend pas du tout. Et si on regarde par rapport à leur consommation problématique, donc on a passé l'assist, et donc ça c'est pendant la pandémie, donc ils devaient répondre par rapport aux 3 derniers mois. Donc on peut voir que pour certaines substances, par exemple l'alcool ou les hallucinogènes, les gens consomment certes, mais il n'y a aucune intervention requise et ce n'est qu'une minorité qui a besoin d'un traitement intensif, mais quand même, il y a eu une nécessité de quand même de faire des interventions brèves pour la plupart des personnes de notre échantillon, en réalité. Donc, on a aussi vérifié la détresse psychologique. Donc, ils devaient répondre lors de la passation du sondage au cours de la dernière semaine, comment ils se sont sentis. Donc, on peut voir que quand même 17 % de notre échantillon se déclare dans une détresse psychologique élevée. Donc, c'était pas au-dessus d'un seuil établi. Et quand même, l'anxiété correspondait à 22 % de notre échantillon, ce qui est quand même assez élevé. Et par contre, en contrepartie, on peut voir par rapport aux provisions sociales, c'est plus voir qu'est-ce qu'ils ont autour d'eux pour les aider, les soutenir. Donc, on peut voir quand même que
pour presque la majorité presque tout le monde, ils avaient quand même des gens sur qui ils pouvaient compter, des gens qui partageaient leurs mêmes activités, attitudes, croyances, des gens qui étaient là pour les conseiller, des gens avec qui ils avaient des liens affectifs forts, des gens qui pouvaient les reconnaître en tant que personnes compétentes, habiles, avec des talents. Donc, quand même, on avait dans une population quand même qui avait des bons, qui disait avoir un bon soutien social, mais il y avait quand même 10 à 15 % selon les éléments qui faisaient qu'ils n'en avaient pas. Donc, c'est peut-être ces 10-15 % qu'il faudrait mieux voir comment offrir de l'aide. Par rapport aux impacts généraux de la pandémie, je vais laisser un peu la parole à Alexis qui va vous parler un peu du respect des consignes sanitaires. Donc, c'est là que les tableaux, les graphiques un peu plus complexes arrivent. Donc, là, ici, ce que vous avez, c'est le respect de la distanciation physique. En haut, c'est lors du premier confinement et en bas, c'est lors du déconfinement. Donc, lorsque les mesures se sont un peu assouplies, vous avez aussi l'information pour les lieux, mais on va rien souligner. Dans le fond, les lieux, c'est les lieux publics, le travail, les lieux privés. Dans le fond, dans quelle mesure est-ce que le respect des consignes sanitaires ont été respectées dans ces lieux-là? Donc, par rapport aux lieux, ça tombe un peu sous le sens, là. Il y a une augmentation d'individus qui rapportent jamais, très rarement ou quelques fois, respecter les mesures de distanciation physique lors du déconfinement. Donc, c'est assez logique. Mais ce qu'on constate là, qui est intéressant, c'est que il semble aussi avoir une légère augmentation du respect des consignes de distanciation physique, même durant le déconfinement. Donc, on voit que c'est un petit peu augmenté là pour les différents lieux. Les individus qui rapportent avoir respecté cette mesure-là, souvent et toujours, ont augmenté même durant le déconfinement lorsque les mesures se sont un petit peu assouplies. Puis, donc là, vous avez des graphiques similaires, mais là, c'est la consigne du port du masque. En haut, c'est avant que ce soit obligatoire. Puis en bas, c'est depuis que c'est obligatoire. Puis, dans le fond, là, ce qu'on constate, c'est que les gens, encore une fois, respectent bien les mesures. Il y a clairement une augmentation d'individus qui ont respecté souvent ou toujours cette consigne-là, lorsque c'est devenu obligatoire. Puis même quand c'était pas obligatoire, il y avait quand même une bonne proportion de gens qui le faisaient souvent ou toujours. Port du masque dans les lieux publics est quand même assez respecté. Donc, soit que notre échantillon, on a très peu de complotistes ou bien ils sont en fait en réalité très peu nombreux dans la société aussi. Donc, si on regarde par rapport aux interactions sociales, la plupart sont restés quand même dans leur bulle. Ils respectaient quand même les consignes. Ce n'est qu'une petite minorité qui voyait comme tout le monde comme avant, sans tenir compte des mesures sanitaires, on voit quand même qu'il y a eu un plus grand contact social après lors du premier déconfinement, ce qui est tout à fait naturel. Là, ce qui nous intéressait surtout, c'est de voir un peu pourquoi est-ce que les gens sont sortis. Donc, les gens sont quand même restés pas mal confinés à la maison. Ils sortaient plus vraiment. Lorsqu'ils ça a été déconfiné, c'est pas déconfiné complètement. Il y a encore eu des gens qui restaient chez eux. Et c'était surtout pour respecter les règles du gouvernement et avant tout ne pas se faire contaminer avant de ne pas vouloir contaminer les autres. En fait, on voulait un peu savoir ça, en fait, pour aller sur le sujet du passage aux écrans. Mais avant ça, on a aussi regardé est-ce que la consommation pendant la pandémie a un peu changé. Donc, grosso modo, on peut voir que la consommation est restée quand même assez prévalente durant la pandémie, durant les 3 derniers mois. Et si on compare le avant et pendant la pandémie, ce qui vous intéresse tous, je pense, en fait, il faut savoir que dans cette diapositive, c'est juste les gens qui ont déjà répondu à avoir consommé. Donc, on ne peut pas voir par rapport à de nouvelles personnes qui consomment à cause de la pandémie si on n'a pas accès à ces informations-là. Donc, tous les participants avaient déjà consommé avant la pandémie, mais on voit quand même que ça reste quand même assez similaire, mais que pour l'alcool, depuis la pandémie, il y a beaucoup plus de gens qui consomment tous les jours. Ou au moins 1 à 3 fois par semaine. Donc, la fréquence aurait augmenté pour l'alcool. Pour le cannabis, ce serait une question un peu similaire, ainsi que pour les opiacés, les calmants et les somnifères, on voit qu'il y a eu une réduction un peu plus de la fréquence, alors que pour les amphétamines, c'est resté un peu similaire. Et par rapport aux substances consommées lors d'une relation sexuelle,
on peut voir que pour l'alcool, ça a diminué de beaucoup depuis la pandémie. Ça, on soupçonne aussi que c'était dû au fait que c'était des situations qui arrivaient par rapport à des sorties dans des bars, dans des parties en tant que telles. Pour le cannabis, c'est un peu plus augmenté par rapport à une consommation qui peut être. Mais je pense que je vais laisser Alexis poursuivre là-dessus. Oui, ben simplement, au début de notre présentation, Christophe, avec les images, vous a parlé de l'importance du contexte de consommation. Puis aussi, il y a le contexte culturel peut-être attendu de consommation. Donc, on voit que pour les gens qui ont consommé de l'alcool lors de relations sexuelles, ils ont quand même vraiment beaucoup diminué lors de la pandémie. Et le cannabis aurait légèrement augmenté. Donc, on pourrait peut-être émettre l'hypothèse là, que, justement, ben, les gens ils consomment de l'alcool dans un contexte festif ou dans un contexte de rencontre aussi, de date. Donc, avec la pandémie, forcément, c'est peut-être pour ça que ça a diminué en partie. Le contexte viendrait comme médier la relation entre la consommation puis les relations sexuelles. Puis ce qui vient donner un petit peu de poids aussi à cette hypothèse-là, c'est que les seules substances que la consommation a augmenté lors de relations sexuelles durant la pandémie, c'est le cannabis, les calmants et les opiacés. Donc, c'est peut-être toutes des substances qui culturellement sont moins festives, s'inscrivent plus peut-être dans un quotidien, des habitudes. Donc, ce serait une hypothèse, là, une théorie là, à pousser un petit peu. Une dernière chose aussi, excuse-moi Christophe, qu'on voulait juste souligner, c'est que les poppers, là, qui est une substance consommée, dans le fond, généralement lors de relations sexuelles, n'ont pas vraiment ressorti tant que ça. Donc, ça nous a quand même surpris parce que c'est une drogue en général qui est utilisée pour les relations sexuelles. C'est peut-être parce qu'on a peu de membres de la communauté ARSA, là, des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes dans notre échantillon. Donc, c'est ça qu'on voulait dire aussi. Par rapport au virage numérique, qui est un peu le cœur de notre sujet, donc évidemment, comme on s'y attendait, la plupart des gens ont augmenté leur temps d'écran en raison de la pandémie. Ce qui nous a étonné un peu, c'est que c'était vraiment le travail et l'école, c'était pas tant l'une des motifs du temps qu'on passe toujours devant les écrans, mais beaucoup lié au divertissement et à la socialisation. Pour les achats, c'est normal aussi parce que certaines personnes ne voulaient plus sortir dehors ou aller dans les épiceries, donc se sont fait livrer beaucoup de choses. Et pour la consommation d'alcool, de drogue en compagnie d'autres personnes, on voit que c'est quand même une minorité. Donc, ils ont passé plus de temps et que peut-être que le virage des apéros Zoom et de la consommation en utilisant Zoom, Teams ou Skype n'a pas été quelque chose qui a augmenté tant que ça en lien avec la pandémie. Donc, il n'y a pas eu cette si forte migration qu'on pensait. Et par rapport à l'achat d'alcool et de drogue, on voit que c'est seulement un 7% qui aurait passé plus de temps sur Internet pour ces raisons-là. On voit aussi que pour les loisirs, la moitié des loisirs, en fait, se déroulaient sur les écrans avant le confinement. Lorsqu'on est confiné, tout le monde a presque migré et passé presque tout leur temps de divertissement, de loisirs sur les écrans, ce qui était normal parce que la plupart des activités étaient fermées, non accessibles, que ce soit le sport, la culture. Donc, c'était la raison de cette migration-là. Lorsqu'il y a eu le déconfinement, peut-être parce que tout n'a pas été relâché non plus, il y a eu une baisse, mais on voit encore que l'écran reste encore assez de manière assez importante, donc ce qui nous suggère que quand même, on a peut-être passé un virage où il y a de plus en plus de personnes qui vont quand même rester à se divertir sur les écrans, même après la pandémie. Et quand même, ce qui est à voir, donc c'était certains éléments du débat Internet, on voit quand même que depuis la pandémie, il y a plus de gens qui rapportent de manière plus fréquente de la fatigue et de l'épuisement, qui vont beaucoup souvent sur les écrans pour gérer leur stress, l'anxiété, pour gérer l'ennui ou la tristesse, et que quand même, il y a de plus en plus de personnes qui rapportent de manière plus fréquente d'avoir un sentiment de perte de contrôle sur les activités en ligne. Et par rapport aux partenaires lors des relations sexuelles en ligne, lors d'une substance, donc ça, c'est quand même, il faut savoir que
c'est une population qui est beaucoup plus restreinte dans notre échantillon en tant que tel. On voit qu'il n'y a pas eu tant de passages non plus pendant la pandémie. Je ne sais pas, Alexis, si tu voulais rajouter quelque chose? Non. Donc, maintenant, pour les achats des substances en ligne, donc on voit quand même que la majorité n'ont pas acheté en ligne. Et c'est seulement un 30% qui le ferait et que il y aurait seulement un petit 0,4% qui seraient vraiment des gens qui achètent pour les autres, mais par rapport du temps, ils achètent pour eux-mêmes. Je vais laisser la parole maintenant à Alexis pour savoir pourquoi les gens les 70%, pourquoi ils n'ont pas voulu acheter en ligne. Oui, donc on va prendre juste un petit temps là pour bien essayer de comprendre ce graphique-là. Ça, c'est vraiment là les raisons pour ne pas acheter en ligne. Les formes, ça correspond tout à un lieu d'achat, puis on voulait savoir pourquoi les gens n'achètent pas sur ce lieu-là. Donc, la population en général, pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas en ligne? Pourquoi c'est pas quelque chose d'intéressant pour eux? Peut-être là, la raison qui a le plus d'importance, ce serait qu'ils n'ont tout simplement pas eu besoin de le faire. Et là, après ça, en deuxième place, là, on ne le voit pas malheureusement parce que le petit losange noir est caché. Mais la deuxième raison, ce serait j'ai accès hors ligne aux substances que je veux. Et après ça, ça pourrait être le fait de ne pas connaître la qualité des produits là, qui serait peut-être en troisième plus importante raison. Et là, maintenant, donc ça, c'était les individus qui n'achètent pas en ligne. Là, on va s'intéresser. Non, reste là, Christophe. Donc, là, on va s'intéresser aux individus qui achètent en ligne, mais pas sur les sites officiels, sur les sites non officiels ou sur le Darknet. Donc, là, on a un très petit N, comme vous pouvez le voir, là, d'individus qui achètent en ligne, mais pas sur les sites officiels. Ça veut dire que c'est du monde qui achète juste sur les sites non officiels ou sur le Darknet. Donc, c'est spécial. Puis, on peut pas non plus interpréter tant de choses que ça parce qu'on a juste 3 participants. Mais la principale raison, ce serait d'abord qu'ils ont accès hors ligne aux substances qu'ils veulent. Après ça, ce serait la crainte de se faire arnaquer. Alors, ça aussi, c'est curieux un peu, là. Ils ont la crainte de se faire arnaquer sur des sites officiels. Puis après ça, ce serait tout simplement pas eu besoin de le faire. Donc, ces raisons-là reviennent assez souvent. Il y a un profil aussi similaire pour les individus qui achètent en ligne, mais pas sur les sites officiels ou sur le Darknet. La principale raison, encore une fois, c'est qu'ils ont tout simplement pas eu besoin de le faire. Après ça, il y aurait la crainte de se faire arnaquer, l'accès hors ligne aux substances qu'ils veulent et peut-être aussi la qualité des produits qui est inconnue sur ces sites-là. Donc, on peut passer à la prochaine, le prochain graphique. Là, maintenant, ça, c'est les raisons pour acheter en ligne sur les sites légaux, d'abord, qui est le petit carré bleu. Ce serait de recevoir les achats à la maison, la première raison. Puis, en deuxième place, il y aurait que ce soit plus pratique. Donc, c'est peut-être des raisons pas mal interreliées, là. Sinon, en troisième place, il y aurait la grande variété de produits. Donc, la raison pour acheter en ligne sur des sites légaux. Puis après ça, éviter de rencontrer physiquement les vendeurs. Maintenant, sur les sites non officiels, la principale raison pour acheter en ligne, assez ex aequo pour les prix sont moins chers. Donc, les sites non officiels, rapidement, là, on parle, j'aurais peut-être dû le souligner un peu plus tôt, là, mais on parle de Craigslist, Reddit, des pharmacies en ligne. Ce genre de sites-là là, qui ne sont pas des sites officiels comme la SQDC. Donc, si je reviens un petit peu aux raisons pour acheter sur les sites non officiels, ce serait de recevoir les achats à la maison, encore une fois, puis les prix sont moins chers, puis la grande variété de produits aussi, qui est la raison pour acheter sur ces sites-là. Puis, pour le Darknet, encore une fois, un profil similaire. Donc, on a juste 7 individus. Il faut faire attention quand on interprète ces données-là, mais les prix seraient moins chers, il y aurait une grande variété de produits, puis ce serait encore une fois plus pratique. Et juste pour ajouter pourquoi le Darknet en a aussi un nombre aussi faible, ben, premièrement, peut-être que Facebook, c'est peut-être pas l'endroit pour les recruter déjà. Mais autrement, l'une des raisons, ce serait que si on regarde dans les autres pays qui explorent un peu l'univers du Darknet, c'est que la substance la plus souvent achetée, c'est en fait le cannabis.
et en grande proportion. Et ensuite, les autres substances viennent vraiment en deuxième, troisième position, mais vraiment la majeure est pas mal plus le cannabis selon les études internationales. Considérant que nous avons une SQDC, considérant que donc, la voie légale qui est accessible, qui est un site web, il y a des gens qui ont déjà leur propre dealer. Donc, ils ont déjà leur propre réseau. Donc, se compliquer la vie à essayer de comprendre le darknet serait beaucoup moins possible, en fait, par rapport à notre situation au Québec en tant que tel, si on se compare à ailleurs où le cannabis est illégal. Et lorsqu'on demandait si la pandémie les amenait à acheter des drogues en ligne, pour 50% des gens qui de cette échantillon-là, 50% ont dit oui, ça les a menés à aller sur le site de la SQDC ou de la SAQ. 37% des sites non officiels, donc par exemple Kijiji, Craigslist, les pharmacies en ligne, comme le dit Alexis, et finalement, donc, le Darknet, finalement, il ne faut pas oublier que 14% des sites, c'est juste une personne, en fait. Et lorsqu'on regarde par substance en tant que telle, on peut voir que déjà pour l'alcool et pour le cannabis, il y avait déjà les gens le faisaient déjà avant la pandémie. Ils ont poursuivi leurs habitudes, mais que les gens, les nouveaux acheteurs en ligne, en fait, c'est seulement un 15% pour l'alcool et un 10-11% pour le cannabis. Maintenant, pour les autres substances, je vais laisser la parole à Alexis. Ah bon? D'accord. Non, c'était Ben, très dans le simple. fond, ben, tu veux y aller plutôt? Bon, en gros, on peut voir que pour certaines substances, il n'y a pas eu de nouvelles personnes qui sont apparues sur le marché numérique, notamment pour ce qui est des opiés, des solvants, du spécifique de la kétamine. Mais que, ça, c'est un phénomène qu'on n'a pas trop compris pourquoi, mais il y a eu pas mal de gens qui ont, ben, pas mal de gens, plusieurs ont acheté des champignons magiques en ligne, mais seulement depuis la pandémie. Savoir que c'est pas trop, peut-être que c'était pas la saison ou que, qui voulaient délirer dans leur chambre. On sait pas trop pourquoi, en fait, ce qui est arrivé avec les champignons magiques. Ça fait partie de, si vous avez des interprétations, on est preneurs, mais. En gros, ce qu'il faut retenir de toutes ces diapos-là, c'est que ceux qui achetaient déjà en ligne avant la pandémie, bon, certains ont poursuivi, mais que les nouveaux, en fait, qui ont fait le virage en raison de la pandémie, sont quand même minoritaires et c'est ça. Et donc, on peut voir que justement, c'est la SQDC et la SAQ qui ont peut-être bien profité. Finalement, on va conclure rapidement sur les services d'aide en ligne. Donc, on voit que les gens ont utilisé Internet un peu plus depuis la pandémie pour obtenir de l'aide, que ce soit des difficultés liées aux émotions, pour des raisons de santé mentale ou pour liées à la consommation. Évidemment, ce sont des catégories qui sont pas non mutuellement exclusives, donc les gens pouvaient le consulter pour diverses raisons. Et il est possible aussi que quelqu'un va dire qu'il y a des problèmes liés à ses émotions, mais que ce n'est pas lié à sa santé mentale ou à sa consommation. Donc, il faut prendre ça en perspective. Et on peut voir que pour ce qui est de plus d'ordre plus général, les difficultés liées aux émotions, c'est surtout pour obtenir des trucs, des outils ou de l'information pour s'aider, quelque chose qui est beaucoup plus moins engageant. Et quand on regarde pour les problèmes de santé mentale et de consommation d'alcool et de drogue, il y a quand même le corps qui sont allés demander, qu'ils ont eu un soutien professionnel en ligne. Et il y a quand même une bonne, environ près d'un tiers qui ont discuté dans des groupes en ligne, dans des forums, pour obtenir de l'aide depuis la pandémie. Et on peut voir quand même une bonne satisfaction quand même de l'utilisation d'Internet parce que la vaste majorité vont quand même continuer à l'utiliser après la crise. Et il y a quand même un 9 à 11% qui vont le faire seulement comme mesure temporaire et qui vont probablement ne plus l'utiliser après la fin de la pandémie un jour en 2026 ou 2027. Et on peut voir aussi que quand même on a une échantillon que les gens avaient déjà quand même reçu pas mal d'aide avant la pandémie.
Et donc, quand même, le corps avait déjà reçu de l'aide pour leur consommation et près de la moitié pour des problèmes de santé mentale. Et on peut voir que pendant la pandémie, près de 40 % ont arrêté les rencontres. 23,9 % ont poursuivi les rencontres en personne. Et lorsque ce n'était pas en personne, on voit que le téléphone a pris le dessus par rapport aux vidéoconférences. Je vais laisser Alexis commenter par rapport à la satisfaction de l'aide reçue. Ben oui, rapidement, parce que dans le fond, on constate là, par rapport à la satisfaction de l'aide reçue, si elle a été considérée comme utile, qu'il y aurait comme deux peut-être pics, là. Il y a ceux qui ont marqué 5, donc oui et non, disons que ça a été utile, puis 10, donc vraiment, vraiment utile. Juste faire attention, c'est peut-être mon orgueil d'intervenant là, qui parle, mais en interprétant ces résultats-là, il faut faire attention parce qu'être en thérapie, ça demande un certain temps, c'est un processus aussi, il y a le lien thérapeutique qui se crée, donc peut-être que ce serait intéressant de contrôler pour la durée de ces gens-là en thérapie, s'il y a un lien aussi, là, peut-être que ceux qui ont mis 5, là, ils vont peut-être aller vers 10 là, éventuellement. Là. Et pas les raisons pourquoi ils n'ont pas utilisé Internet. Donc, la plupart disaient qu'ils ben, n'en avaient pas vraiment besoin, mais quand même, il y en avait des gens qui n'y avaient pas pensé. Et quand même, c'est quand même important de savoir que pour certains, le contact physique avec un vrai être humain, pas juste un écran, est quand même très important. Les enjeux de matériel, d'accès, de technologie ne semblent pas être vraiment un enjeu pour notre échantillon. Et on va conclure en fait sur cette diapo. Alexis va vous en parler un peu plus. Donc, super rapidement, là, on a fait une rapide analyse thématique de ce que les gens ont écrit vraiment, là, donc ce qui venait d'eux. Là, il y aurait peut-être trois grands thèmes qu'on pourrait dégager là, d'une absence d'utilisation d'Internet. Pourquoi les gens ne veulent pas utiliser Internet pour obtenir de l'aide? Le premier thème, ce serait que ce soit un médium qui ne soit pas adapté ou pas assez efficace. Donc, il y a des gens qui ont dit « les services d'aide empirent les choses, je souhaitais un service plus fiable que Google, je ne me sens pas concerné ». Le deuxième thème, ce serait l'autodétermination. Donc, je voulais m'aider moi-même, j'avais mes trucs. Puis, un sous-thème de ça, ce serait l'aide des proches. Donc, j'essaie de m'aider seul avec le support de mes proches, je suis entouré de personnes en qui j'ai confiance, qui peuvent m'aider en cas de besoin. Puis, le dernier thème qui a émergé, ce serait simplement le désespoir. Donc, on va terminer là-dessus. Personne ne peut m'aider pour ce genre de problème. Je ne crois pas que ce sont des problèmes majeurs qui m'empêchent de fonctionner. J'ai simplement perdu foi en l'humanité. Je n'ai pas de haine envers une tierce personne. Le système est pourri. Donc, on vous remercie donc pour votre écoute sur cette note un peu joyeuse. Et je tiens aussi à remercier l'IUD pour nous avoir aidé à financer ce projet. Merci beaucoup pour cette présentation super intéressante. On a un peu de temps pour des questions. Est-ce que il y a des gens parmi l'assistance qui avaient des questions ou des commentaires? Ça peut être des partages aussi par rapport à ce que vous voyez, vous, dans vos milieux comme intervenant. Est-ce que ça représente ce que vous voyez aussi, les résultats de Christophe et Alexis? Je crois que les gens sont affamés. Les gens sont affamés. Rappelez-moi, dans la collecte de données, quand vous parliez des achats en ligne, je ne me souviens plus, est-ce que les lieux d'achat de l'alcool étaient inclus aussi pour les gens, par exemple, qui commandaient leur alcool à la SAQ? Oui, on avait aussi le volet SAQ. Parfait. Pas de questions. Je ne sais pas si vous aviez des choses que vous voudriez compléter. Peut-être nous dire, là, votre collecte de données se poursuit encore. Je sais qu'on va grandir encore le nombre. Tantôt, Christophe, tu as nommé une des hypothèses par le fait qu'on a peu de personnes qui achètent via le dark web. Est-ce que vous avez une idée de cibler d'autres milieux pour le recrutement, pour essayer d'aller trouver des personnes qui pourraient acheter sur le dark web? Pour ce cadre-ci, ça va être un peu plus compliqué, mais l'idée, c'est que, bon, visiblement, les réseaux sociaux n'est peut-être pas le bon endroit. Il faudrait vraiment aller les chercher directement sur des plateformes où ils seraient plus présents, par exemple. Ce serait, là, c'est le défi technologique, par exemple, aller sur Discord ou les équivalents, ou dans des plateformes beaucoup plus
underground, entre guillemets, je type aussi donc Discord, Telegram, compagnie, mais ça va demander aussi d'autres des petites pirouettes pour pouvoir réussir à accéder vraiment à cette population-là, mais je ne crois pas qu'ils sont ils sont pas dans la notre population générale. C'est une population très nichée, donc il faut vraiment les chercher et peut-être faire un recrutement boule de neige éventuellement si jamais on veut vraiment les rejoindre. Ouais. D'un point de vue éthique, il peut y avoir des difficultés. Aussi, c'est que le principe d'utiliser le Darknet, là, une des principales raisons, c'est se cacher en quelque sorte, là. Donc, je pense que on réfléchit, mais s'il y avait peut-être un devis peut-être à préconiser, ce serait peut-être des entrevues qualitatives plus que peut-être avoir peut-être un certain bassin là pour faire des pour tirer des conclusions de ça. Donc, on allait chercher quelques personnes qui utilisent ça pour faire des entrevues qualitatives, pour aller chercher notre information. Je pense que ce serait le plus adapté, peut-être. OK, merci. On a une question ici qui demande, est-ce que vous pouvez commenter l'augmentation de la consommation de calmants et de somnifères après la pandémie? Après la pandémie? Ça, c'est un peu difficile parce que j'ai pas vraiment de boule de cristal, ne sachant même pas si la pandémie va finir un jour. Probablement que les gens vont peut-être rester, on l'a vu aussi pour d'autres substances ou qu'ils avaient, par exemple, ils sont passés aux opiés, ils avaient reçu une prescription pour une douleur chronique ou pour autre chose, ils sont restés quand même par la suite. Donc, il est possible qu'on a quand même ce genre de choses qui va se poursuivre. Mais il semblerait aussi... La question, c'est plutôt avant, pendant et après le confinement. La personne dit pardon. donc, c'était quoi la question initiale? Je suis un peu perdue. Donc... Commenter l'augmentation de la consommation de calmants par rapport à avant la pandémie, pendant la pandémie, puis après le confinement, le déconfinement, donc. Ben, il y a aussi le fait que, comme on peut voir, on a quand même un taux très élevé de détresse psychologique et surtout lié à l'anxiété. Donc, ça se peut aussi que ça demeure, surtout si on ne prend pas en charge la santé mentale des gens par rapport à ça, ça se peut que ça va se poursuivre, surtout dans un état d'automédication si on ne fait pas plus attention, parce que quand même 22% d'anxiété élevée par rapport à la population, c'est quand même énorme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis d'ailleurs, on a une question qui suit ça en parlant de la détresse. On demande, est-ce que le type de détresse qui est rapporté à la fin de l'exposé est fréquent? C'est quoi la fréquence, dans le fond, des types de détresse? Est-ce que c'était l'analyse thématique qu'on a faite? C'était ce que vous avez présenté à la fin, là, complètement, là. OK, donc ça doit être les verbatim, mais en fait, on a juste présenté quelques-uns, mais c'est quelque chose qui... C'est comme si on laissait la voie libre aux gens d'écrire ce qu'ils voulaient dans le petit carré. On ne peut pas déterminer vraiment la fréquence à ce que c'est fréquent, mais c'est quand même des gens qui en disaient beaucoup. Et on a juste présenté les premiers extraits des 100 premiers, en fait, ceux qui ont commenté, mais on en a beaucoup, beaucoup. Donc, ce serait à voir, évidemment, si parmi les... Parce que là, on a dépassé le cap du 1000 participants, en fait, qui ont des données intéressantes. Ce qu'il faut savoir... Donc, c'est de voir aussi, on va porter une attention particulière pour voir si cette détresse, ce désespoir revient ou c'était juste deux, trois personnes finalement qui le rapportaient. OK, merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va clore ici en vous remerciant infiniment pour cette belle présentation très intéressante. On a hâte de voir les résultats plus officiels, plus formels. On est chanceux d'avoir eu accès à des résultats préliminaires.